Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, peinard, comme un samedi matin. Alors, comme vous le savez, ce week-end-ci, je ne serai pas là. Donc, je vais faire juste faire ce matin, faire, je pense, deux rallyes sur 6. Vous savez que c'est 6 fois 6, ce jeu, qui revient une fois par an, qui traverse tout le Royaume-Uni. Je crois que j'ai le rallye d'Écosse et puis j'en ferai un autre derrière. Et je sais pas si j'irai au-delà dans ce jeu. Je pense même faire une petite session d'1 heure de chrono sous. Comment il s'appelle? Sonic Mania. Avec différents personnages, différents niveaux. Éventuellement, c'est en option. Et puis vers les 13 h sur 13 h, je coupe. Parce que je vais être rattrapé par mes obligations Coucou. d'agenda. Bonjour Twinset, j'espère que tu vas bien. Donc, juste la matinée, et puis moi je vous retrouverai normalement. Il y a un grand pont du jeudi de l'Ascension, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, je suis libéré et je devrais quasiment diffuser tous ces jours-là. Pas forcément toute la journée, mais je serai présent 4 jours de suite. Mais je vous en reparlerai le moment venu. Voilà. Là, c'est rallye, balade virtuelle parce que j'adore ce jeu. Et les paysages de rallye du Royaume-Uni sont absolument magnifiques. Donc, j'ai envie de dire, ça donne un peu de féerie dans l'existence. Bien content d'avoir ce simulateur de rallye. Allez! Français. Je suis François, les Français. Oh, suis-je bête? Je suis déjà en train de me dire que j'ai pas mis le chat. Heureusement que j'ai vu dans mon interface sur la colonne bleue ton arrivée. De toute façon, j'avais le son qui était dédié toute une scène pour voir ton arrivée. Mais on sait jamais. Boing. Alors, option. Je sais plus comment on fait. Non, c'est départ, c'est charger une partie, je crois, hier. Pas du tout. Merde. Carte mémoire. Il faut faire charger. Voilà. Alors, on va réécouter la présentation du monsieur. Ah, c'était comme ça qu'il fallait faire, merde. Oui, je charge les données. Alors, je rappelle que j'émule la PS1 depuis la PS3. Qui, il y a 2 ans, a déménagé pour le sud-ouest de l'Écosse. Rayonnant désormais autour de Dumfries, ce rallye offre quelques-unes des spéciales les plus réjouissantes de la saison britannique, sur des chemins de terre très roulants, rendu encore plus rapide par la chaleur du mois de juin. Les forêts de Galloway illustrent superbement le caractère unique de cette épreuve, avec des conditions météo pouvant aller du temps sec à la petite pluie en passant par le brouillard. Ces dernières années, le public écossais n'a pas été déçu par le régional de l'État Alistair Macrae, qui s'est adjugé les 2 dernières éditions. C'est parti, mon kiki. Je sais même plus comment je joue. Merde.
Oh là là. Oh là là, je fais n'importe. Bonjour, Nashevman. Bah alors, je conduis comme un bourreau et il faut que j'arrête, que je redresse la voiture. Attends, j'ai eu un doute parce que il a dit gauche 1 et non, ça veut dire que c'était un virage pas serré, donc j'ai eu un gros doute au niveau de l'intersection. Tourner à droite. Ah mais non, c'est ça. Ah, j'arrive plus à dresser la bagnole. Oui, ça va bien, merci Nashevman, j'espère que toi aussi. Attends, il faut que j'ai une ligne droite pour pouvoir jeter un coup d'œil sur le chat, évidemment. Oui. Ah, merci à vous d'être là, à la fraîche, entre guillemets. Enfin, il est 9h30 déjà. Fait un petit bout de temps, je sais plus, peut-être il y a 15 jours, j'avais démarré à 8h du mat. Peut-être samedi dernier, d'ailleurs, je sais plus. Ah, c'est rare quand je démarre à 8h du mat. Faut vraiment que je tombe du lit, comme dirait une scène, vraiment à 6h, comme si j'allais bosser. Mais ça m'est déjà arrivé. En slip et devant ton stream. Non, quand même. Je m'octroie une petite toilette matinale avant de me mettre face caméra. Non, vous le voyez pas. Mais en fait, je me rase la moustache au mécanique. Ah, toi, tu es en slip et devant mon direct, ouais. Mais bah chacun fait comme il lui plaît. De toute façon, c'est le plaisir d'être peinard chez soi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi parfois j'ai des appréhensions. Certains directs, vous verrez, j'ai des pecs ou des blessures autour de la bouche. C'est parce que je me rase le matin et je me coupe. Donc je prends mon antenne. En fait, parfois j'ai un petit. qui saigne. Hein, voilà. Et je suis un peu emmerdé en disant merde, je vais présenter mal le cracra devant l'écran. Mais c'est moi qui me charcute. Mais j'adore me raser aux mécaniques. C'est rarissime que j'utilise les rasoirs électriques. Je le fais pour entretenir ma barbe. Et mes cheveux. Mais tout ce qui est petite pilosité à éliminer complètement. J'allais chez un barbier avant la pandémie. Et je me suis dit que je préférais faire moi-même ma toilette, quoi. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. Ouais, c'est bien que ça aille bien, Nashevman. C'est cool.
Alors, le, voilà, je vous l'avoue, hein, je vis seul. Et le problème, c'est que j'aime pas me battre avec les miroirs et essayer de faire l'arrière de ma tête quand je me coupe, machin, là, on va dire que j'entretiens ma pilosité de manière générale. Et une fois, je suis allé chez le client à faire une intervention informatique. Et le gars, en fait, pour me remercier, il m'a fait juste la remarque, écoutez, vous avez l'arrière de votre nuque, qu'on voit que vous êtes pas coupé comme il fallait. J'ai dit, ah bon? Le mec, il me l'a fait. J'étais en train de bosser sur son ordi, et puis j'étais mort de rire. Ah, y'a là, c'était sympa, hein, ça partait de bonne intention. Ah là 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 là. Ah, ouais, ouais. J'ai vécu ça. Parce que moi, je reconnais qu'à ce côté-là, je néglige, quoi. Je m'en fous, tant que ça... Moi, au toucher, ça me dérange pas quand je me passe la main sur la nuque. Mais non, là, il voulait absolument que j'ai un truc rectiligne bien fait. J'ai dit, ok, merci. Ah, là, 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 là. Mais je l'avais oublié l'anecdote là. Et pourtant elle est pas si vieille que ça. Hein. Elle doit dater de... Ouais, de 3 ans, je sais plus. Je sais plus, je pourrais plus dire. Ou peut-être 4, juste avant l'arrivée de la certaine pandémie, je sais plus. Enfin bon. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai bois un coup, j'ai soif. Ouh, il faudra que je me relève pour me faire de la flotte là. J'ai soif ce matin. Ah, puis ce week-end, je vais rincer un peu mon organisme. Je vais arrêter de prendre du café. Du moins aujourd'hui. À me calmer un petit peu au niveau de la. De ma drogue. Ah. Yay, je suis arrivé. Tuk tuk tuk. Allez, deuxième étape écossaise. C'est marrant, je sais pas si vous percevez, oh je pense pas, le son de la du CD qui tourne dans la PS3. Entendez, tchon, tchon, tchon. Tu es en kilt. Ah. Et tu sais que ça me plairait d'en avoir un. Mais ça coûte cher. Hein. Un vrai kilt, il faut claquer au moins 1000 balles. Faut aller chez un tailleur écossais. Le vrai de vrai. Avec la besace qui évite au moins le coup de vent qu'on voit tes roubignoles. Mais avoir un kilt, c'est quelque chose qui me plairait. Oh non! Au coucher du soleil! Ou est-ce l'inverse? Peut-être est-ce l'aurore? Oula. Attention à la bosse.
Oh là! Oh! Merde. Non! Ah merde! Non! Au secours! Elle a pas assez de motricité pour remonter la pente! Ah, c'est un cauchemar! Oh la merde! Des pièges du rallye des coches! Les redoutés Iceland! Même la marche arrière, j'ai passé de motricité. Ah mon dieu! Non! Est-ce que je suis en droit de recommencer? Non, abandonner, c'est un peu violent. Ah merde! Ah! Oh, je pense que je serai en direct. Grand maximum 13 heures, Nashevman. Grand maximum. Attends. Est-ce que j'ai pas le terre-plein où j'ai une pente sur la fin du virage? Oui, là. Presque. Merde, dommage. Il aurait presque fallu que je prenne de l'élan. Ah, mais j'ai comme un truc qui me scotch, qui est abrasif, qui est bizarre. Ah, je suis vraiment dans la mouise. Je dois m'éclipser, du coup, je pourrais passer en fin de matinée tout à l'heure. Oh non, mais tu fais comme bon te semble. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure, Nashevman. Bon week-end. Mais c'est déjà très sympa d'être venu faire un coucou ce matin, merci. Bon, je suis dans la mouise, j'ai fait une bêtise. J'ai planté ma bagnole dans le décor. Bah oui, je suis obligé d'abandonner. Mais ça me fait suer de louper une étape. Qu'est-ce que je fais? Je recommence la précédente et je fais pas le ralenti. Parce que là, c'était la deuxième, donc je peux peut-être recharger mon... je sais pas. Bonjour, Torotar, comment ça va? Pas de soucis, Nash. Attendez. Départ. Championnat. Chargé. On recommence. On n'a rien vu. Alors, je suis entre 188 et 190, mais je sais pas. Bienvenue sur le RSAC Scottish Rally, troisième épreuve du championnat. Oui, on va recommencer l'étape que j'ai faite précédemment, mais on mettra pas le ralenti, on passera directement à la deuxième où je me suis planté. Je suis entre 188 et 190, mais je suis pas 189. Qui suis-je? Ouais, tu vas bien, Torota, c'est cool. Je suis... Mais c'est bien, vous êtes bien amusés avec les camions là, tous sur ta chaîne pour tes 1 an de chaîne, Torota, c'était cool. J'ai bien aimé, je vous ai écouté d'une oreille et j'ai jeté un coup d'œil de temps en temps, ça fait du bien. À faire le plein d'une positive et de bonne humeur. Ah, c'est pas la même luminosité hein, quand il y a du plein soleil. Je vous relirai une fois l'étape terminée, pardon.
Ah! Je vais encore me faire avoir. Il y a des petits sons qui perturbent. Là, on entendait une tronçonneuse. Oula, j'ai eu un gel. Ah, oh, j'ai fait mieux. Comme quoi les entraînements, c'est bon. Alors... Oui, ouais, je trouve que vous êtes resté sage, Torota. Ah, pardon, tu es une scène, mais personne n'est inspiré par ta devinette. 188, 190, mais je suis pas 189, qui suis-je? Je vois pas du tout. On voit pas du tout. Oh, la réponse est E. Enfin, oh là là. ET, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Nayane. Comment que ça va? Excusez-moi, mon Dieu. Long, gauche 1.
Ouais, ça va bien, c'est cool. Wouh, ça va, pépère, merci. Oula. Oh là là. Les hautes terres d'Écosse, terrible, hein. Non. Putain. Mais non, mais j'en ai marre. Je suis retourné exactement là où j'étais tombé tout à l'heure. Mais non, mais... Ah. Miracle. La force du désespoir. Voilà, j'en tombe à la renverse. Oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Oui, merde, c'est par là. Il est magnifique, en fait. Bon, certes, il y a le côté pixelisé, parce que c'était des limitations de la PS1 de l'époque. Mais pour traverser tout le Royaume-Uni, il n'y a pas une étape qui se ressemble. Hein. Ils ont fidèlement reproduit des étapes de l'époque. C'est superbe. C'est superbe. Oh la vache, vous avez vu le... Le relief de fou. Oh la cuvette. Mortelle avec les bois. Ah, on dirait qu'il y a Westbot qui est en grève. Bizarre. Eh ben dis donc, dur. C'est bien, ça va nous faire 6 minutes de ralenti. Ouais, je viens de boire un coup, merci Nayonet, ouais. Mais je vais me refaire de la flotte. Je vais peut-être même m'en refaire durant la ralentie, ce sera pas plus mal. Donc je regarde si je vous lis bien. Ah oui, t'avais demandé la... D'accord, la Vroom Vroom d'abord. La Nissan Silvia. Oui, ah oui, oui, t'as déclenché tellement de jeux que tu as rendu fou Westbot. Café au lait. Ouais, bah j'évite, figure-toi, aujourd'hui. Je vais rincer un peu mon organisme. Attends, je vais mettre la manette là. Ouais, je vais me refaire un bidon de flotte pour la matinée. Je reviens.
Je me demande si ce serait pas une bonne idée de mettre un peu de musique en arrière-plan, parce que je laisse que le son du jeu là, c'est peut-être un peu monotone. Ah, les échanges avec Westbot. Maintenant, ça devient un classique. C'est très drôle. Ah bon? Saint-Pétersbourg, Nice, à 5000 bornes. Je croyais que c'était un truc du genre Saint-Pétersbourg et Porto au Portugal. Je crois que tu nous avais dit, Torota. Bizarre. Bizarre qu'ils disent Saint-Pétersbourg-Nice. Ah, ou alors, je sais pas, ils ont pas encore modélisé officiellement le Portugal, et puis c'est du contenu officieux, peut-être, je sais pas. Ouais, tu penses que c'est aussi ce trajet, Torota? Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais je crois qu'il avait commis une erreur. J'avais posé deux fois la question pour Far Cry 2, il y a combien de cassettes du Chacal? La première fois, il m'avait répondu un truc fantasque. Il m'avait dit, il y en a 17. Et la deuxième fois, il m'a répondu qu'il y en avait 12, ce qui était la bonne réponse, que je sache. Il y en avait 6 par carte. Sachant qu'il y a 2 cartes dans Far Cry 2. Et ouais, on peut aller jusqu'au Portugal, ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi, il y a une question qui m'importe, que je poserais bien d'ailleurs à Westbot, c'est la météo, quand il fait sa station météo. Allez, on va dire, entre...
Ah non, je lui ai envoyé la question normalement à Wisebot. Pardon, au moment où je me rafraîchis. Ah, merde! Juste poser la question s'il fera beau demain, ça va. Mais si je précise trop une plage horaire, il dit non, je fais grève. Oh bah mince alors. Bon bah je vais le garder comme... comme maître cuistot, parce que le coup du conseil pour bien cuire les croque-monsieur, ça m'avait été utile. C'est vrai qu'ils étaient plus savoureux. Aïe aïe aïe. Merde, j'aurais dû enregistrer sur carte mémoire, con, parce que s'il m'arrive une déconvenue comme le coup d'aller dans le fossé, ça va peut-être mieux de rendre mal la troisième étape que la première. Je me suis un petit peu trop précipité. Oh le relief. Les montagnes russes.
Non! Ah, la glissée! Midoum! Midoum, Clotoum, Boldidoum! Ah, comme un savon! Et zoup! Oula, 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 oula. Oh, je suis pas dernier, cool. Cool, cool. Tiens, c'est bizarre. Les infos erronées qu'a donné Wisebot vis-à-vis de Minecraft. Tiens, tiens. Tu l'as guaqué. Preview version 7 en standard. D'accord. Bon, il y a encore du boulot hein, pour l'IA, mais bon. Mais c'est rigolo. C'est bien moi aussi le coup du calculateur. Ça m'étonne pas que ce soit les Japonais qui l'aient. Mais le Fugaku, ouais, j'avais pas le nom. Ni effectivement sa puissance. Non mais c'est bien. C'est cool. Les bonnes nouvelles sont, en parlant d'électronique et d'informatique, c'est que pourrait y avoir encore une nouvelle usine en Allemagne de puces électroniques, une fonderie de puces électroniques. Par je sais plus quel géant asiatique. J'avais lu ça dans la presse informatique cette semaine. Ce qui fait que le coût de l'électronique va encore baisser théoriquement dans les mois et années à venir.
Il y a une déjà, si vous l'avez pas remarqué, une sacrée déflation des prix. Ça a vraiment désenflé les prix des cartes graphiques depuis quelques mois. Ouais, bonne nouvelle. Là, ça revaut le coup de se réintéresser au marché de l'informatique électronique pour renouveler son matos. Ça coûte bien moins cher. Enfin, ça dépend quoi. Mais ça coûte moins cher, en moyenne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu te mets en retrait, Nayonet. Merci d'avoir été là. Bonne matinée, bon week-end si je te revois pas, Nayonet. Parce que je couperai au plus tard, je coupe à 13h, donc... Mon avis, à partir de midi, je rends l'antenne. Je n'irai pas au-delà. J'aime bien parce qu'on est en petit comité, mais vous êtes vachement actifs. J'ai l'impression que vous êtes 20 avec moi, là. Le matin, ça fait bizarre. Là, je fais le rallye d'Écosse. J'en suis à la troisième étape sur les 6. Derrière, j'enchaîne un autre rallye de 6 étapes au Royaume-Uni, mais je sais plus c'est lequel. Sorti de là, je me vois faire quelques chronos sur Sonic Mania avec différents personnages. Et puis voilà, grand maximum 13 heures. Hein. Si je devais atteindre les 13 heures, je coupe à ce moment-là, parce que par rapport à mon agenda de la semaine, j'allais dire, du week-end. Je serai malheureusement plus disponible. Mais on se retrouve, c'est ce que je précisais dans mon intro. On se retrouvera lors du pont de l'Ascension. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je diffuserai sur ces 4 jours-là. Alors pas forcément du matin au soir, mais je serai présent pour me détendre en votre compagnie les 4 jours d'affilée. Par contre, le programme, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire pendant ces 4 jours-là. Je pense que je vais peut-être faire un petit peu de Dying Light, que j'aurais pu faire ce matin, mais je préférais le rallye, ça change un peu. Je referai Far Cry 2, obligé, j'aime beaucoup Far Cry 2. Et puis après le reste, on verra. Est-ce que je me lance par exemple dans un nouveau Sonic? Est-ce que je mets un peu de côté le Sonic Mania et je passerai à Sonic CD, que je veux découvrir, pourquoi pas. A voir. Peut-être un nouveau jeu d'énigmes. On a fini The Guardian Rooms. Ah, il faudrait que je m'organise aussi demain sur mon temps libre pour voir si je peux pas faire des critiques des jeux vidéo que j'ai fini. Il y a Guardian's Rooms et je sais plus quoi que j'ai fini il y a pas longtemps. Sonic Mania par exemple. J'ai fini l'histoire principale. Ouais. Non, c'est sympa. Parce que la semaine prochaine, je continue la saga Hexen Hérétique, là en FPS 3D rétro, peut-être. À voir. Tout est un problème. Il y a peut-être des changements en profondeur que je... Enfin, profondeur. Tu me comprends quand je dis ça. Que je vais opérer sur ma chaîne. Je vois par exemple, contrairement à ce que j'aurais pensé, mes compiles de clips elles ne vous intéressent pas quand je vous les laisse en téléchargement. Vous préférez que je vous les mette de temps en temps en interlude, le temps d'une pause déjeuner lors de mes grandes journées de direct. Je finis par me dire si je vais pas retirer la possibilité de les télécharger ou encore le réserver en cadeau bonus aux abonnés, histoire de un tout petit peu distinguer l'intérêt de s'abonner sans l'encourager non plus. Voilà, quatrième étape écossaise. Je sais pas, je veux voir.
Mais l'idéal soit que, évidemment, vous ayez vos repères sur le canal et puis que vous ayez les services qui vous fassent plaisir en fait. Pareil, hein, si vous avez des suggestions, des idées, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. Vous avez X moyens de me contacter, et puis je me ferai une joie d'échanger avec vous. Peut-être que je vais faire aussi la semaine prochaine me lancer dans Portal 1, le premier Portal. C'est pas exclure non plus. Oh! La vache, ça m'a stoppé net. Et puis on commentera la balade. Parce que j'ai fait une balade avec Nayone. C'est vrai, il y a ça aussi. Faudra que je revoie avec Nayone en privé à ce qu'on se cale une date qui lui plairait. Mais je pense qu'il fera le choix premier qu'il avait fait avant que malheureusement je reporte pour ce week-end pour mon indisponibilité soudaine. Et j'en suis navré, veuillez m'en excuser, mais je pense qu'il sera partant pour qu'on le fasse le dimanche après-midi. Ce serait sympa de finir sur un. Ça changera un peu d'un Minecraft ou d'un camion. Puis du coup, comme j'étais censé faire Minecraft la fois suivante, j'improviserai peut-être un Minecraft, je sais pas quand, sur les 4 jours aussi. Hey, je suis pas dernier, c'est cool. Fort pertinent, Torota. As-tu déjà pensé? Je lis de vive voix hein, pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Tu me poses la question, Torota. As-tu déjà pensé de faire une rétrospective de ta chaîne depuis le tout début jusqu'à maintenant, tout en donnant ton avis sur ton évolution avec les points forts et les points faibles? Alors, pas sous cette forme aussi explicite. Je le fais un peu quand je fais mon bilan de la saison précédente au 1er janvier. Mais de là à reprendre depuis au tout début. Alors ça, c'est le genre d'analyse que je ferais déjà
Hors compile de clips, hein, c'est autre chose les meilleurs moments clip. Mais l'idée de faire ma critique et mon observation sur l'évolution de ma chaîne Twitch sur le long terme, de A à Z, c'est très intéressant. Je serai amené à le faire lors d'un gros anniversaire, c'est-à-dire du genre les 5 ans ou les 10 ans. Les 10 ans sur les décennies, c'est un truc énorme. Bon, moi, si je fais ma décennie de Twitch, faut attendre de 2032. Sachant que je prépare un quiz kit à 50 questions pour voir votre fidélité. Vous voyez à quel point je suis prévoyant. Je prévois un questionnaire avec 10 ans d'avance. Oui, à ce moment-là, effectivement. Mais, eh ben, tu vois, ta question, elle est tellement pertinente. Elle me plaît beaucoup, Torota. Je vais là. Mince. Ah, j'ai mon logiciel qui m'interdit de faire un copier-coller de ton. Voilà. Copier. Comment je fais pour copier tout ton. Tiens, c'est bizarre qu'il ne me propose pas le logiciel. Je peux copier ton pseudo, mais je peux pas copier ton message. Ah! Bah, c'est ballot ça. Parce que. J'aimerais le mettre dans ma liste de FAQ, foire aux questions. Voilà. Ah, bonjour Christella, comment ça va? Merci à toi de nous rejoindre. Alors que je reste songeur sur une excellente question de Torota. Mais il faudrait, tu vois, pour faire une rétrospective critique de l'évolution en partie technique de la chaîne. Il faudrait que je reprenne les extraits que je fouille dans mes archives. J'ai d'ailleurs même un extrait, enfin un truc que vous avez jamais vu. Mon tout premier enregistrement, l'émission 0 presque. Presque. Parce que j'avais pas de décor de fond, j'étais chez moi dans mon bordel à l'époque. Et j'apprenais déjà à calibrer la webcam, à placer ma voix, etc. J'avais fait quelques essais hors antenne avant de me lancer la première fois dans mes phases bêta avec ma chaîne secondaire, là, le Cybermatou, où je voulais me faire discret, je voulais juste avoir le retour de 2-3 privilégiés. Et peut-être que je balancerai cette séquence à ce moment-là. Ah là là. Ça va bien, c'est cool. Oui. Dans les modos, ceux qui ont accepté de me donner un coup de main, il y a Torota, merci, et il y a Aeroster. Alors, quand ils sont de passage, ils ont l'épée, je leur fais confiance, et ils dégomment tout ce qui va pas. Oh, c'est rock, la musique. Il serait bien que j'ai le réflexe de sauvegarder. De faire attention à pas mélanger Minecraft et Modo. Ouais, tu gères tout naturellement, va, t'en fais pas. Ah, t'en fais pas. Mais pour parler de Minecraft, hier ou avant-hier, là, quand je jouais en soirée, j'avais remarqué dans l'interface de lancement. Ils indiquaient qu'ils en étaient à la préversion. Ça veut dire que l'arrivée de la 1.20 est imminente. Donc avant le 1er juin, à mon avis, la nouvelle version est publiée. Moi, il faudra que je fasse ma cuisine côté serveur. En espérant que je perde pas trop de mods. Enfin, je vous ferai un topo. Il faudrait que je me réserve une demi-journée pour faire des tests. Je sais pas quand et comment. Mais il faudra que je sauvegarde le serveur, que je fasse la migration d'une version à l'autre.
en espérant d'ailleurs que mon prestataire de service me la propose, parce que étrangement la dernière sous-version il me l'a jamais proposé, j'ai pas compris. J'espère que je suis pas victime d'un bug, sinon je suis dans la merde. Ça voudrait dire que je pourrais pas migrer vers la nouvelle version. On verra, je vous tiendrai au courant. Je sens que cette aventure d'un Minecraft modé, c'est toujours une activité chronophage, très enrichissante et passionnante, mais le temps de bidouiller dans les fichiers et de faire des manips... Là, j'ose passer sur la motte en terre. Vache, ça monte tellement qu'elle a plus de motricité pour grimper la côte. Alors que je suis bien sur la voie. Ouh, c'est piégeux ça. Wouh! Oh la vache, le saut. Bizarre, j'ai l'impression d'être le premier pilote de radio au monde à avoir un copilote qui me parle. Bah tiens, du coup, je l'ai pas écouté là. Mais heureusement que j'ai pris la bonne direction. Et d'avoir l'autoradio en même temps. C'est un concept. Attention, la cuvette, mais cette fois-ci elle est sur les côtés. Long, droite 1. Long, gauche 1, avant, droite 2.
Vache, elle est longue l'étape. On en fait des kilomètres dans les bois écossais, là, c'est magnifique. Bon, il y a beaucoup de lignes presque droites. Ça, pour être long, c'est long, hein. Mais c'est bon. Ah, je vois du monde. C'est l'arrivée. Oh, et je suis dernier. Qui est dommage. Wouh! 6 minutes 30. Attends, je suis en train de faire tomber ma manette, c'est pas bien. Est-ce que je pense diffuser sur Team Fortress 2 un jour? Pas dans l'immédiat. Mais pourquoi pas? Si à un moment l'idée qu'on se fasse une séance de foufou à nouveau entre nous et vous souhaitiez que je diffuse au même moment, pourquoi pas, oui. C'était très bien, hein. J'ai beaucoup aimé l'expérience Team Fortress, on a bien rigolé. Mais de là à diffuser moi l'événement là... Je ne l'exclus pas. Mais je serais plutôt tenté de le faire si vous me le demandez de manière explicite, quoi. Si vous voulez voir mon point de vue. Pourquoi pas ? Non, je vous avouerai que le jeu qui me motive le plus à arriver sur ma chaîne là, la semaine prochaine, c'est le premier Portal. Portal 1 en solo. Je pense que je démarrerai dessus dès le jeudi. Dès le jeudi férié. Possiblement en matinée, ce sera bien. J'aime bien cette musique. Il faudrait que je me dégote des nouvelles musiques libres. J'ai dit que je le ferais cette semaine, mais je me suis pas organisé dans ce sens. Ce qui est dommage, parce qu'à vrai dire, j'aurais pu. Je suis resté pas mal de temps devant mon ordi cette semaine, finalement. J'ai pas fait trop de déplacements extérieurs.
Oh, j'en ai plein. J'en ai plein des anecdotes sur mon métier de... Enfin, programmateur, d'informaticien de manière générale. Sachant que la programmation n'est pas mes spécialités. Ma spécialité, moi, c'est les réseaux. C'est le fait de... mettre en place, surtout pour les petites et moyennes entreprises, des, solutions de parc informatique au complet. Mais... Non, l'anecdote la plus marrante, elle est coquine à vous narrer. C'était au début de ma carrière. J'étais en formation initiale encore. J'étais en BTS. J'avais fait un stage dans une mairie. Et... il se trouve que... j'avais en charge l'une de mes premières missions dans la mairie. C'était d'optimiser justement le parc informatique. Donc je devais impester... j'en perds mon latin. Je devais inspecter tous les bureaux à partir du moment qu'ils avaient un écran, un clavier, une souris là. Et j'ai fait mon inventaire, si je puis dire, en une journée de boulot. Et le lendemain matin, j'avais grand sourire à saluer tous mes collègues. Surtout mes collègues appartenant à la gente masculine. Puisque dans l'optimisation des postes, j'avais mis mon nez dans les historiques de navigation de chacun pour essayer de voir les habitudes de tous et de voir comment je pouvais améliorer leur ordi et leurs conditions de travail sur poste informatique. Sauf que une belle équipe de BR hein, parce que je connaissais toutes les tendances et régimes sexuels de chacun. Donc il y en a qui se rinçaient l'œil pendant les heures de service. Alors, j'en avais un qui aimait le sadomasochisme. Ça m'a fait bizarre de ce que j'ai vu. Un autre, c'était les lesbiennes. Un troisième, c'était bizarre. C'était un truc naturiste, je sais plus quoi. Mais du genre, j'aime les blonds de forte poitrine, façon sketch d'Elysse Moon. Et les autres, je sais plus. Mais ce qui était pas mal... C'est qu'on avait, dans cette mairie, on avait un échantillon chez les mecs. Ils se complétaient au niveau du régime sexuel, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. C'est intéressant quelque part. J'ai appris des trucs. J'avais 20 ans, hein, donc j'ai appris des trucs. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'était enrichissant quelque part. Mince, j'en suis tout troublé, je me trompe de manette. Mais j'avais beaucoup ri le lendemain. J'étais hilar quand je saluais les mecs. J'ai dit, ah toi coquin, t'es bien celle-là. Ça change votre regard sur les collègues. Et bref. Mais ils se complétaient, c'était dingue. Il y en a pas un qui aimait la même chose que l'autre. Quelque part, c'est beau cette mixité, ce mélange de... Bon là, c'était focalisé sur voilà, sur l'intime. Mais non, c'était... Et j'en ai plein des anecdotes comme ça. J'en ai une autre où j'avais un collègue qui avait réparé l'ordi d'un client. Alors c'était une autre expérience, hein. C'était un autre environnement, c'était un magasin d'assemblage où on faisait les ordinateurs à la pièce près pour le client, des trucs bien précis. Le client était homosexuel. Mais en fait, il avait complètement oublié qu'il avait mis en fond d'écran Windows une photo intime. Donc, quand mon collègue lui avait présenté l'ordi, le client était devenu rouge comme une pivoine. En disant, merde, j'ai oublié que j'avais dans sa tenue voilà, d'Adam. Ah, quand on est informaticien, on envoie des vertes et des pas mûres, hein, croyez-moi. Croyez-moi. Non, des anecdotes, j'en ai plein. Je pense même à mon grand maître qui m'a... Je vais juste dire son prénom, Denis. Mon grand maître qui m'a enseigné en BTS le noyau de ma discipline, hein, qui est l'informatique réseau. Il m'avait dit, les mecs, vous allez être contents dans le métier. Technicien informatique, c'est le meilleur job pour draguer les nanas. Et c'est vrai.
C'est comme t'es obligé d'aller régulièrement faire le point avec tous tes collègues dans tous les postes informatiques. Si tu veux flâner d'un bureau à l'autre et pour peu qu'il y ait des belles nanas dans l'entreprise pour laquelle tu bosses, c'est tout bénef. C'est vrai, c'est vrai. Mon grand maître avait raison. Le côté plaisant du métier, c'est un peu la récompense. Non, pas Denis Brognard. Non, mais j'ai beaucoup d'admiration pour mon grand maître. Je lui avais dit d'ailleurs, c'est assez émouvant. Il m'avait confié certaines choses qu'il ne nous avait pas inculquées en cours. Oh, il est à la retraite aujourd'hui. Mais j'en dirai pas plus, c'est quelqu'un qui veut rester humble, discret. Il a bossé pour les militaires, c'est un ingénieur mon grand maître. Il a bossé pour les militaires, il a commencé à la dure. Et il maîtrise. C'est pour ça qu'il il est en droit de former des gars comme moi en technicien supérieur réseau. Et... Non, j'ai toujours été béat d'admiration. Et il a sa renommée sur Nancy, ça va de soi, même de là, je présume. Excellent. Sacré Denis. Va. Ah, bonjour, Ariaster. Comment que ça va? T'arrives juste au moment où j'ai clos le chapitre de mes anecdotes coquines en tant qu'informaticien. Les intéressés pourront regarder la rediffusion. C'est vrai que je repense à aux collègues là de mairie dont je connaissais tout le régime sexuel. C'est vrai que c'est limite si je pouvais pas les vanner. Toi tu viens plus aux soirées. Ah là 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 là. Ah la rigolade. Mais d'ailleurs, j'y ai échappé, mais dans le détail, c'est parce que je farfouille pas à donf dans les données que je traite, que ce soit mes clients, enfin, ou que ce soit mes collègues, en fonction de mes contrats de travail, mais honnêtement, je vous avouerai que j'ai jamais été amené à balancer quelqu'un, c'est-à-dire signaler aux autorités quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal. Que ce soit un soupçon de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains dans le sens large. J'ai envie de dire, heureusement, j'ai échappé à ça. Mais j'ai des collègues qui m'ont raconté des trucs durs. Hein. Enfin bon. Alors, attendez, pardon, je suis quand même concentré dans mon étape, et je vous lirai, une fois que j'aurai rallié l'arrivée, je vous lirai avec grand plaisir dans le chat. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Hérostar. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir. Ah, c'est une commande où il faut rajouter la personne en arrobase.
pour la saluer de manière appuyée avec la voix de synthèse. Mais bonjour tout le monde. Je me demande d'ailleurs si cette commande-là, je vais pas la réserver à la modération. Maintenant que vous êtes plusieurs désormais, ça éviterait de potentiels abus. Il y en a déjà eu, mais je laissais passer parce qu'on était en petit comité, c'était rigolo. Bonjour Dragon Sky! C'est gentil, merci à toi d'être là, j'espère que tu vas bien Dragon Sky. Ouais, ça va Hurster, c'est cool. Ce jeu, j'avais joué à une démo, je crois, de mémoire. Ah, bah c'est mon jeu favori. Enfin, favori, un de mes favoris. Ouais, service après-vente des émissions, Marie Fred. Ouais, ouais, j'adore, je les adore. Pour... tu viens plus aux soirées, là. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce jeu que j'aime beaucoup. Je l'avais sur PC, j'avais la chance de l'avoir en volant pédalier. Et d'ailleurs, j'ai bousillé un ensemble volant pédalier sur ce jeu. J'avais bousillé les pédales. À un moment, ça a cassé. Une vraie casse mécanique. J'avais plus de pression dans la pédale. Parce que je m'éclatais tellement à faire le rallye que bah, je l'ai eu à l'usure, quoi. Ah, cousin Rion, bonjour. Je désespérais de pas te voir. Je me dis, merde, tu dois être très très occupé. Donc le fait que tu me fasses signe de vie, c'est que ça va mieux. Oui, donc Aeroster, tu vois, j'étais en manque sur PC d'avoir ce jeu. Et il est plus compatible avec nos Windows modernes. Donc je suis allé le racheter sur sur PlayStation 1. D'ailleurs, j'indique PS3, mais je devrais dire PS1 plutôt. Au niveau de jeu, là, j'ai une petite erreur d'affichage. Il faudrait que je la corrige. Bougez pas. Il est où mon truc? Il est là. Il faudrait que je déclare plutôt PlayStation 1. C'est plus juste. Oui, que de monde. Ah oui, bah ouais. Ah là là. Mais l'essentiel, c'est que t'ailles bien. Donc voilà, je suis bien content d'avoir trouvé ce jeu-là de rallye sur PlayStation 1. Et je le fais une fois par an. Je change juste la bagnole chaque année. Mais je le ferai une fois par an. Il est trop beau. La traversée du Royaume-Uni, il n'y a pas une étape qui se ressemble. Regardez, la petite baraque là qu'on vient de passer en pierre, on la reverra plus. Elle est juste là parce que c'est la numérisation, la modisation fidèle de l'étape de l'époque. C'est... Le seul défaut que j'ai à reprocher à la version console, c'est que les écrans chargement, ils n'ont pas pu injecter les cartes routières de l'étape à laquelle on s'apprêtait à participer. Il y avait ça dans la version PC. Et c'était génial de voir les vraies cartes routières. Tu pouvais te localiser en vrai au Royaume-Uni. Et ça, c'est con qu'il n'ait pas mis dans la version console. C'est mon seul regret de la version console. Ah, tu dois réparer Master System 2 et Game Gear. Ah, bien. Des bons jeux de rallye sur Steam. Tu as les WRC à partir du 4. Alors j'ai la chance d'avoir les 3 premiers sur console. Et je vous ai déjà fait les 2 premiers World Rally Championship sur console. Je vous ferai bientôt le 3 d'ailleurs, normalement. À partir du 4, ça va jusqu'au 7-8 et t'as des spéciaux. Donc il y en a une dizaine. Regarde les WRC Christella sur Steam. Alors, il y a quoi d'autre? Je t'avouerai que de tête, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil quand il est sorti il y a 2 ans. C'est Art of Rally, l'art du rallye. Il est graphiquement, il est assez spécial. On dirait presque une... Alors, pas une aquarelle, je mentirais. Mais il a une teinte graphique assez rétro. Et je sais pas ce qu'il vaut, mais il m'a tapé dans l'œil. Peut-être qu'un jour j'en ferai l'acquisition et je vous en ferai la démonstration sur mon antenne. Mais dire est-ce qu'il est bien, je l'ai pas testé. Donc je sais pas si au niveau de la physique il est cool, Art of Rally. Et après tu me poses une colle, Christella.
Parce que mes meilleurs jeux de rallye, je les ai plutôt de côté de la console, en rétro. Souvenez-vous de la de la pile de la flopée. Enfin, là, c'est rangé dans mon carton, mais... J'ai plus de voix, pardon. Faut que j'ai un chat dans la gorge. Mais j'en ai plein à vous faire, que ce soit de l'arcade ou du Gran Turismo aussi. Hein. Il n'y a pas que Gran Turismo, il y a des variantes. Ah. Ah. Ah là là. Ah bah, je t'en prie. Ibi, sacrée pluie sur cette étape. La dernière, je crois, d'ailleurs, d'Écosse. C'est soit l'avant-dernière, soit la dernière d'Écosse. Je sais déjà plus. Ah, c'est l'arrivée. Pouk. Mais même en tapant le mot-clé, tout simplement rallye dans Steam, je pense que... Les réponses doivent être pas mal. J'ai pas souvenir d'avoir fait le test ou depuis très longtemps. Bienvenue au SEAT Jim Clark Memorial Rally. Cette quatrième manche du championnat, baptisée en hommage au célèbre pilote écossais natif de Duns, la ville qui accueille le rallye, figure au calendrier pour la première fois cette saison. Ce rallye a pourtant pris de nombreuses formes au cours des années. Organisé pour la première fois en 1970, il s'est cantonné à la Terre pendant plusieurs saisons. Il y a deux ans, il a marqué l'histoire du rallye britannique en devenant la première épreuve à fermer les routes pour proposer des spéciales sur asphalte. Les étapes sont en général très rapides et une part importante du kilométrage total est à effectuer de nuit. Oh là, asphalte et de nuit. Wow. Ouh. Je sens que ça va mettre mes nerfs à rude épreuve là, parce que pour bien maîtriser le bolide, pour pas le fracasser, ça va être sport. Principalement sur asphalte, mais de nuit. Y a pas les lampadaires qui sont allumés quand tu fais. Donc, comme il disait dans la présentation, je sais pas si vous l'avez entendu, j'espère que le son était assez fort, mais je vous répète l'essentiel. C'est-à-dire que ce rallye-là se distingue du fait qu'il privatise des portions de routes réelles au Royaume-Uni. Pour en faire des étapes. Il ferme les routes exprès un jour pour l'épreuve. Donc là, à coup sûr, on va traverser des cottages et des villages anglais. À l'instar d'un MacRaider que je vous fais pour le coup sur la vraie PS3. Merde, je commence déjà à être de... Boum, voilà, je viens de bousiller ma bagnole contre l'arbre. Concentration. Ça commence très mal. Mais c'est beau. Oula, puis les arbres qui débordent sur la route. Merde, homme! Mais je vais me coltiner tous les premiers, moi, c'est pas possible. Ah! Là, j'ai bien aimé la vache. Comment que ça glisse sur l'herbe humide. Une vraie patinoire.
J'ai eu la parfaite démonstration du dérapage incontrôlé. Attention. Voilà, je me pète la barrière. Aïe. Oh, j'ai la bagnole qui fume. Je suis en mode tondeuse à gazon. Oula, 90 à gauche. À gauche, bien, et puis moi je vais à droite. Tout va bien. Ah, ah bah ils ont le temps d'admirer la voiture. Je vais être bon dernier. Ah oui. Oh là, le retard. Ouï, oui, 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 oui. Là, c'était fastidieux, là. J'ai mon jardin à faire, si tu veux. M'en parle pas. Aïe, aïe, aïe. Non, merci pour le clip, cousin. Merci tout plein. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé parce que il y a eu pas mal de clips. Il y a dû y en avoir une trentaine, sans déconner. Enfin, sur une vingtaine, avec une scène dans Portal 2. Donc, j'ai pas regardé la durée totale des clips que j'ai accumulés, mais je dois en avoir plus que la moyenne. Donc, sachant que je fais une compilation clip par trimestre. Voilà, la prochaine devrait tomber début juillet. Mais, je n'exclus pas qu'exceptionnellement, vu la richesse des bons moments de rigolade qu'on a eu en direct,
Il y en est deux pour le prix d'une. Un truc du genre deux fois 45 minutes, voire deux fois une heure, ce serait énorme. En 3 mois de diffusion, ce serait... Wouh ! Ça serait significatif d'une ambiance complètement folle et d'un trimestre de fou furieux sur mon antenne. Je vous en remercie d'être là. Mais de franche rigolade. Parce que c'est vrai que Portal 2, j'étais déchaîné. Alors, j'ai bien cabossé ma bagnole au point de la faire fumer, sachant que là, l'épreuve était plutôt de jour, hein, on voit plutôt clair. Qu'est-ce que ça va donner de nuit si je pète les phares? Voilà, j'appréhende, vraiment. On passe à fond à côté de la grange. Ouais, la botte de foin, elle m'a coûté cher. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié, je suis à bord d'une Ford Escort. Dans sa version rallye, bien évidemment. L'année dernière, je crois que j'avais pris la Nissan Micra, que j'aime bien appeler Nissan Microbe. À vérifier, mais je crois que j'avais pris la Tuturla l'année dernière. Hein, t'aimes bien la Ford Escort? Enfin, c'est ta voiture vie réelle, tu veux dire, carrément. Oh là là. Comment je me suis garé? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je t'avouerais que je crois que je suis jamais monté à bord d'une Ford Escort. Je m'en souviens pas. Non, une voiture qui m'a fait une excellente impression, c'était d'ailleurs avec un chauffeur de taxi, c'était une Scandinave, c'était une Volvo, je crois, non? Non, c'était une Skoda, c'était la Skoda Superb, qui est une berline familiale. J'ai adoré être passager. Elle était confortable. Je me vois m'installer je m'approprie le véhicule. Alors que c'était... celle d'un chauffeur de taxi. Mais si c'est vous dire à quel point je me suis senti comme un grand de ce monde. Ah oui, cousin, tu dis un ami l'avait, mais c'est très vieux. Très confortable, installé sur la banquette arrière, j'ai adoré ma course. Non, vraiment, la voiture m'a laissé une excellente impression. Ouais, allez, je prends le risque de... Je vais sauvegarder toutes les deux étapes, parce que quand même, le process de sauvegarde dure un petit bout de temps, et ça rallonge un peu trop la sauce. Toyota, tu réponds à Rio. Hein? Mmh.
Oh, c'est superbe. C'est beau. C'est vrai que ça change un peu des tracés forestiers, c'est bien. Merde. J'ai merdé ma sortie de virage. J'aime bien les vaches qui font meumeux. J'arrive trop vite, j'aurais dû freiner plus tôt. Oui, je te dirai à l'arrivée, Torota, je vois que tu m'as interpellé.
Ah, je suis pas dernier. J'aime bien. Alors en fait, comme tu ne diffuses que ce matin, feras-tu... Ah bah non, je le repousse à la semaine suivante, le tableau mystère, Torota. Non, si je suis pas là le dimanche, je repousse au week-end suivant, Torota. Donc là, rendez-vous, bah du coup, pour le 20 mai, je crois. Ouais, là, vous avez à nouveau 7 jours au moins devant vous pour peinard donner vos réponses. N'hésitez pas à aller voir dans le Discord. Enfin, je suis bête. Tous ceux qui sont présents ici ont accès à mon Discord. Mais c'est dans la branche dédiée, vous pouvez retrouver le tableau en cours. J'aime bien, il y a pas 15 jours, il y a Twinsen qui m'avait rouspété. Qui m'a dit, mais tu l'as pas mis à jour, on peut pas jouer. Voilà, c'est vrai, négligence de ma part. On voit que c'est les Highlands, les hautes terres d'Écosse. C'est beau. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais... Ouais, j'ai laissé la lumière artificielle tôt ce matin, mais j'aurais dû ouvrir les volets. On profite tant que j'y pense. Oui, c'est mieux quand même. Oui, on me voit mieux en plus. Il était temps que je bascule en lumière naturelle. Bizarre.
Oui, d'ailleurs. Attends. En train de voir l'état de mes écouteurs. Oh, le cours d'eau. Et là, il y a le doute qui s'immisce dans mon esprit. C'est une deuxième boucle d'heure diffusion ou c'est encore... Parce que le temps que j'aille manipuler mes volets, du coup, j'ai un doute. Je me souvenais plus que l'étape était si longue. Bon, il avait aussi expliqué la voie, là. Il avait expliqué que ce rallye est... celui qui a la vitesse moyenne la plus élevée. On trace comme des maboules sur l'asphalte. Ah oui, c'est bon, c'est l'arrivée, ça va. J'ai eu un doute. Voilà, là je peux enregistrer toutes les deux étapes, ça me paraît raisonnable. Ah, soirée! Je vois soirée. Je peux pas y voir grand chose. Aïe, aïe, aïe. J'appréhende. Alors, je suis très vilain, hein. Vous l'aurez vu dans le menu, je zappe les réglages. Je me la joue pas pro. Alors que je pourrais, mais je m'en sers comme promenade virtuelle, le jeu de rallye actuellement. Pardon. C'est beau. Oui, bien fait pour l'époque, le halo de lumière. Bonjour Tomouf, comment que ça va?
À fond les ballons. Aïe. On trace dans la campagne anglaise, c'est la folie. C'est l'arrivée. Et je suis pas dernier. Oui. Wouh. Chat des potes. L'étape là, elle était vraiment à fond, à fond, à fond. Ouais, ça va bientôt move, c'est cool. Non, avec un peu de chance, j'aurais fini ce rallye là pour midi, et puis je ferai peut-être 3 quarts d'heure de Sonic Mania, et puis je rendrai l'antenne. Je ferai relais de chaîne à quelqu'un d'autre. Ce sera pas plus mal. Si tu aimes bien les jeux de PlayStation 1, aimerais-tu jouer à Castlevania de la PlayStation 1 ? Non ! Je n'ai jamais aimé l'ambiance vampire... à la Castlevania, désolé, je vous les ferai pas cela. C'est, ça m'attire pas du tout. Aerostar a eu le mérite de le faire il n'y a pas si longtemps que ça sur son antenne. Mais j'accroche pas Castlevania à une saga que j'ai jamais aimée. Et pour l'anecdote, vous saurez que la jaquette japonaise du jeu dans Castlevania, à chaque fois ils prennent la silhouette du Mont Saint-Michel. Driver, j'ai. Je sais pas quand. Je dois avoir un driver sur PC perdu dans mes CD-DVD que j'ai pas touché depuis des années. Et j'ai un driver sur PlayStation 3. Je crois que c'est le driver San Francisco. Pas sûr, hein. Mais je cite de mémoire.
J'ai un clip sur ma chaîne YouTube. Et j'ai un doute maintenant si je l'ai publié ou pas. Mince. J'arrive jamais à taper YouTube intégralement. J'oublie toujours le U intermédiaire. Je sais pas pourquoi mon cerveau bug à ce niveau-là. Je sais que j'ai une séquence, j'avais fait un test en HD pour l'enregistrement de la console. J'étais amusé à faire un saut avec un camion citerne. Un truc de fou furieux dans le jeu d'arcade là qui est Driver San Francisco. Mais je sais plus finalement si je l'ai mis sur YouTube ou pas cet extrait là. Qui dure 30 secondes, hein. C'était vraiment un test. Mais ouais, je serais amené à vous les faire. Pas à court terme, mais j'ai la chance d'avoir ça, on va dire, en magasin. Ouais, ouais, il y aura du driver. Non, le jeu spécial de pilotage que je voudrais vous refaire, c'est le cascadeur. Le cascadeur en anglais, ça se dit... Je retiens jamais le terme anglais. Je sais que vous allez me le dire dans le chat. Cascadeur en anglais, on dit... Stuntman. Stuntman, je dois en avoir deux des opus. J'avais découvert le jeu, j'avais la chance d'avoir le volant pédalier. Donc l'idée de faire les scénarios de film et de respecter les cascades à faire avec un volant pédalier vu réel, c'était... Waouh, c'était sans sas. Et la récompense dans le jeu, quand vous êtes noté à la fin de l'épreuve, vous voyez la séquence qui va être intégrée dans le film. C'est juste trop bien, virtuellement parlant. C'est juste trop trop bien. Je me souviens d'une étape dans le jeu qui était une scène de tournage qui était dans des rues étroites, genre un beau patelin italien, où il y avait une course-poursuite avec une petite bagnole dans les ruelles. Et c'était pas dans les conditions de la mission, dans le tournage du film, mais il y avait des à côté que tu pouvais déclencher. Et moi, j'avais un malin plaisir à faire un jeu de quilles, à dégommer les cartons, les poubelles qui étaient sur les côtés des ruelles, quoi. Et ça faisait un jeu de quilles et un foutoir. Alors que j'étais pas obligé de les percuter. Ça me faisait bien rire. Oh, bonjour, David Olive. Comment que ça va? Merci à toi de débarquer. Eh ben, j'espère que ton direct s'est bien passé. Tu faisais le grand final de Dino Crisis, si j'ai bien vu mon alerte de tout à l'heure. Si je me trompe pas. On est en train de parler différents jeux de tuture. Bonjour, David Olive. Ouais, j'espère que tu vas bien. Merci tout plein. Crazy Taxi, je crois, j'y ai pas joué, il me dit rien. Surtout la Dreamcast, je l'avais pas la Dreamcast. Mais tu le recommandes, Tomouf? Tranquille? Bon bah c'est bien. Nous aussi on est tranquille, David Olive. Baba cool. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Donc c'est bien, l'alerte qui tombe au moment des écrans de chargement, c'est l'idéal. Bien joué. Ah oui, il est complètement fou ce jeu. Ah d'accord. Ah bah, faudra que je m'intéresse à Crazy Taxi, parce que j'y ai pas joué. Il y a aussi les jeux qui sont... justement, jeux de quilles délibérément accidentogènes. C'est les Burnout, je crois. Ou Flat Out, je sais plus. Non, c'est... Non, Burnout. Pareil, j'en ai 2-3 sur la PlayStation. J'y jouais avec mon neveu et ma nièce. Quand ils étaient jeunes et que je devais les garder, on aimait beaucoup jouer à ça. On rigolait en famille. Ouais, les Burnout, gros défouloir. Ouais. Je pourrais vous les faire aussi sur l'antenne. Exact.
Alors, concentration, excusez-moi, je vous relirai à l'arrivée. Oula, oui, 5, il était serré le virage. Vache. Attends. Oui, il a dit droite 5. Pourquoi? Oui, j'ai l'air ma marche arrière qui fonctionne plus. Ah quoi? Ah, le gauche c'était avant. D'accord, génial. J'ai un temps de retard sur ce que me dit mon copilote, ça craint. Blogue oui, 90 à droite, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Elle est bizarre la marche arrière sur la Ford Escort. Je trouve qu'elle a un long délai de d'enclenchement. Droite 5, je suis un abruti. Décidément, à confondre ma gauche et ma droite, là, j'ai fait n'importe quoi ce matin. Alors, vous me direz que c'est peut-être pas mieux que la fois précédente. Voilà. Eh ben. Ah ouais, l'arrivée où tu dois piler au bout de la ligne droite. Mais c'est un air de piano. Titre de l'œuvre, t'achètes un journal. Je me souviens de ce jeu, je cherchais toujours le moyen de faire renverser les camions. Ouais, ouais. Tu devrais aussi aimer le jeu 18 Willows. Connais pas. Alors là, Tomouf, tu me donnes une référence que je connais pas du tout.
Eleven Wheelers. Je connais pas. Sur PS2, on peut-être que je vois. Attends, je vais me le noter en jeu à faire. J'ai pas regardé ma liste de jeux à faire depuis longtemps, mais tout ce que vous m'avez suggéré, ça doit être assez affolant. D'ailleurs, il faudra que je l'épure parce que je sais qu'il y a une scène qui m'avait mis les fears. Et j'ai déjà commencé fears. Qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs aussi. Peut-être que je reprendrai la semaine prochaine fears. Faire la suite, pourquoi pas. En parallèle de Portal 1. Je n'exclus rien. On verra. Vous savez que je fais en fonction de ce qui me fait plaisir. Un jeu d'arcade de camion. D'accord. Ah, je vois pas du tout. Mais merci pour les références. Joli coucher de soleil. Ah, Jean-Michel caméra, on voit plus la voiture. Oui, bien sûr, non, aucun souci, Torota. Oh la vache, comment je suis explosé contre le muret. L'arbre qui était planté au niveau du gravier, c'est traître quand même, au niveau de l'intersection. Alors je vous avouerai que cette semaine, j'accuse un retard dans les traitements des messages, mais je vais rattraper mon retard. Je crois que j'ai pas lu mes courriels en tant que sage de Nancy, hein, au niveau loisirs. J'ai pas regardé mes commentaires sur la chaîne YouTube, mais de temps en temps je passe jeter un coup d'œil et puis faudra que je le fasse. Là ce week-end c'est mort, j'en aurai pas l'occasion, mais courant de la semaine prochaine faudra que je jette un coup d'œil s'il y en a qui m'ont laissé des commentaires. Et je vous en remercie, hein, j'aime bien, c'est toujours plaisant pour j'allais dire un créateur de contenu, mais j'ose plus employer cette expression suite à l'échange qu'on a eu précédemment. Mais voilà, de temps en temps, je tourne dans les différents services de communication, là. Et, hop, change sur carte mémoire. Et puis, voilà, je me ferai une joie de vous répondre. Mon souci perpétuel... m'amuser à prendre plaisir à laisser des commentaires sur vos chaînes YouTube à vous. Je ne désespère pas, mais j'ai toujours rien acté pour le moment. Oui, la balade est une création de contenu. Oui, tu fais bien de relancer, j'en parlais au tout début tout à l'heure de ma prise d'antenne. Mais la promenade avec Nayone, ouais, en forêt, là, entre autres. D'ailleurs, il faudrait que je commence à planifier sérieusement la deuxième ce week-end. Il faudrait que j'y pense demain matin. Oh merde, une étape de nuit.
Ouh, ça va être chaud. Mais oui, vous l'aurez la semaine prochaine, c'est sûr. Il faut que je me synchronise avec Nayone, mais je pense qu'on la fera dimanche après-midi. On clôturera le long week-end de la du jeudi de Pentecôte là avec le pont. Je pense qu'on se fera ça le dimanche après-midi. Bon courage, encore une semaine pour 7 heures de vidéo en haute définition. Je suis très content. Il y aura plus ou très peu l'effet Gerbotron. Enfin, on verra le moment venu, mais ouais, ça va être 100% plaisir. Pourquoi j'ai pas eu de transition de fin d'étape? Bonjour FunFan, bonjour la Jed. Ah bah vous manifestez au même moment. J'espère que vous allez bien les garçons. Mais j'en reviens pas. Là j'ai pas eu de transition de... J'ai pas compris. C'est brutal comme arrivée. C'est... Wouh, ça m'a choqué. Inadmissible. Bon, la crainte, c'est d'avoir une collision à l'avant et d'avoir la grappe de phare qui se décroche. Parce que faire une étape de nuit sans phare... Abandon. Bon, on a vu qu'elle était courte, là. Elle dure 2 minutes. Particulier, hein. Franchement. Une étendue d'eau au loin sur laquelle se reflétait le clair de lune. La classe. Ouais, l'arrivée est brutale. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait de transition à l'arrivée de cette étape de nuit, c'est un mystère. Peut-être un oubli de programmation ou un bug sur la console. Ah, trop bizarre. Et là, normalement, c'est la dernière étape de rallye.
Donc après ça, je vous ferai un petit peu de Sonic Mania pour rigoler sur les beaux niveaux du jeu. Message de FunFan1992. Avant que certains et certaines lancent des fausses rumeurs, Heroster et Torota77, ce ne sont que des collègues et non des futurs remplaçants. Je vous souhaite la bienvenue pour m'aider dans cette tâche. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est nouveauté sur l'antenne des derniers jours. Vous pouvez vous relayer en tant que modérateur. Puis comme quoi, chacun, je répète, hein, vous passez quand vous le souhaitez. Voilà, surtout ne vous mettez aucun impératif. On n'est pas là pour ça. Ouais, merci à vous d'être là. Alors, ouais, c'est pas plein jour. Faut que je me méfie de la de l'étape. Ah, la végétation est traître. Pas de l'anglais. Oula, j'ai eu du mal à relancer la Ford. Doucement. Ouch. Tu peux.
Ah, on avait une cabine téléphonique très anglaise. Je trouve que la route... Merde, j'ai pas écouté. Je trouve que la route est étroite. Près de 5 minutes quand même. Mais là aussi, les paysages sont toujours aussi beaux. Run Achèvement. C'est bien, la transition va se faire tout naturellement à midi, voilà, ça va être bien. Une petite demi-heure, trois quarts d'heure max de Sonic Mania, puis je vous ferai relais de chaîne chez je sais pas qui. Et là, malheureusement, je vous abandonnerai pour le restant du week-end, puisque je suis plus là. Mais rassurez-vous, on se retrouvera, en ce qui me concerne, sur mon direct jeudi matin. Jeudi matin, jeudi, c'est férié, c'est le jeudi de l'Ascension. Puis sinon vous retrouverez, vous savez, sur vos chaînes respectives. Je crois que je ferai un rapide topo au moment de programmer le relais de chaîne d'ici une grosse heure. Non, plutôt l'inverse, une petite heure. Moi, je sais plus ce que je dis, moi. Oh, qu'est-ce que je peux être contradictoire aujourd'hui? Excusez-moi, je suis confus dans le propos, puis je suis confus dans mes gauches-droites, là, dans mes directions de rallye, c'est... Voilà. Ouais, le sacré Wisebot. Non, mais là, il fait grève. Il a été trop sollicité ce matin. Il faudra le réinterroger dans sa phase de développement d'IA jeudi matin. Là, désolé, c'est loupé. Ouais, non mais c'est toi, il retombe sur mes réponses préprogrammées. Je suis en train de me dire ce week-end aussi, demain je vais peut-être essayer de me dégager un peu de temps pour continuer à faire des tableaux mystères. Que je m'avance et que je sois tranquille pour la saison 2023 intégralement, jusqu'à Noël prochain, pour le répertoire de la Mega Drive. Va falloir que je m'organise. Complètement hypnotisé.
perdu dans mes pensées. Du coup, je repense à mon patrimoine PlayStation 1. J'ai ce jeu-là donc qui me tenait à cœur de refaire. Et j'en ai un deuxième que j'ai pris sur PlayStation 1, un autre jeu de rallye. Mais alors lui, il est beaucoup moins beau. Mais il a le point fort de proposer un éditeur de niveau. Je m'y étais frotté un petit peu, c'était sympa. Sans plus, c'était sympa. Je sais pas quand, je vous le ferai à l'antenne, à l'occasion. Mais j'ai souvenir que la PS3, elle émulait trop vite le jeu. Il y a un problème de rythme et le jeu, je crois qu'il est injouable. J'ai souvenir d'une frustration comme ça, en me disant mais merde. Ou alors, il faudrait que je le fasse sur la PS2, qui va peut-être le lire plus posément puisqu'elle est moins puissante. Mais la PS2, elle me fait un caca nerveux au niveau des jeux PS1, au niveau des cartes mémoire en sauvegarde. C'est pas compatible, bien que c'était affiché comme tel. À voir. Nous reverrons le cas échéant, le moment venu. Allez. On le fera une prochaine fois, le cinquième rallye, là. Ulster. Ah, c'est le... Irlande du Nord. Je crois. Hein. Je crois que le prochain rallye, c'est celui d'Irlande du Nord. Oui, bah là, je vais pouvoir couper la... éteindre le système. Tac. On va passer sur un petit peu de Sonic Mania. Comme je vous l'avais promis. Parce que le jeu, il est beau et il est rigolo. Voilà, je vais mettre ma manette comme ça. Alors, je sais même pas si j'ai lancé Steam.